de trouver un accord avec le très réputé Institute of Financial Services britannique. Ensemble, ces deux institutions proposeront aux étudiants mauriciens un programme académique de haut niveau dans le secteur bancaire et financier. Ce créneau, vous le savez, est très prisé par nos jeunes qui souhaitent y faire carrière. Le nouveau cours proposé se vante de mettre l'éthique dans ce secteur en avant, un atout de taille par les temps qui courent. Voyons cela avec Josian Valère. Le Institute of Financial Services offre tout le support pour la promotion du professionnalisme dans le secteur des services financiers. Cette signature d'accord entre le IFS et Rushmore Business School va donner l'occasion à des individus d'atteindre l'excellence, chose qui va contribuer à encourager une pratique éthique qui cadre avec la bonne gouvernance. Competitive commercial advantage to drive down charges to customers, to make overdrafts free, to provide a little extra interest. Time will tell, but I think there are challenges. Le ministre de la Bonne Gouvernance, Roshi Bada, a fait référence à l'importance d'avoir des professionnels dans le secteur des services financiers. Il a également affirmé que les Mauriciens qui ont amassé de l'argent doivent savoir investir et aussi le dépenser.